If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. I'm not family. No. You're cargo. And I believe, 'cause I can't see our future days. Days of you and me. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de Last of Us épisode 3. Ça commence un petit peu à ressembler au rendez-vous du lundi et non, ne règle pas ton téléviseur. La toison faciale commence à reprendre de sa superbe. Il était temps, non vraiment. Et avant de parler de cet épisode 3 très particulier, radicalement différent de ce qui s'est passé dans l'univers du jeu vidéo, un bel épisode dans le sens le plus noble du terme, évidemment je suis obligé de rappeler cette annonce malheureuse qu'on a appris hier, c'est la disparition d'Annie Wershing qui prêtait sa voix à Tess dans le premier The Last of Us. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago and it's already worse. This is fucking real, Joel. No, that was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look, there's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy. Elle avait aussi notamment joué dans Star Trek Picard, dans 24 heures chrono, dans Vampire Diaries. C'était une excellente actrice, une excellente comédienne qui malheureusement nous a quittés hier à l'âge de 45 ans des suites d'un cancer. Elle restera évidemment toujours dans la famille de The Last of Us. C'est un âge beaucoup trop jeune pour mourir. Le cancer est une véritable saloperie. Les pensées vont évidemment assez proches. C'est l'univers de The Last of Us. Je ne voyais pas commencer cette vidéo sans évidemment en faire au moins un petit hommage, un dernier hommage, et en souhaitant évidemment les meilleures pensées à sa famille, etc. C'est jamais facile d'apprendre ce genre de choses. Revenons maintenant à l'épisode 3 de The Last of Us. Comme je le disais, un épisode radicalement différent de toutes les bribes que l'on pouvait avoir dans l'univers du jeu vidéo, concernant notamment Bill et Frank, en particulier Bill, hein, puisque Bill était un personnage relativement secondaire mais central du récit de Last of Us dans le jeu vidéo. C'était lui qui nous aidait à avancer à maintes reprises, il y avait notamment beaucoup de péripéties autour de lui. C'est vrai que c'est radicalement différent, ça fera parler les fans de The Last of Us, cette espèce de conte poétique extrêmement contemplatif, un épisode qui dure pas loin d'1h20 où on est vraiment dans le rapport à l'intime entre Bill et Frank, de la beauté qui intervient même malgré le deuil, qui intervient même au-delà de la mort. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont hyper intéressantes dans l'idéologie qu'on peut se faire de cet épisode, mais effectivement, qui est tellement différent du jeu, qui, à mon avis, voilà, parlera à certaines personnes, parlera peut-être un petit peu moins à d'autres. On va y revenir, mais avant de parler Bill et Frank, on est obligé de commencer l'épisode avec ce que l'épisode nous propose, puisque ça y est, le road trip se met en place. On commence à 16 km, je crois, de Boston à l'ouest, avec Ellie et Joël. Et ça va être ce genre de moment que moi j'aime beaucoup, même si ils peuvent paraître au demeurant anodins, puisque c'est vrai que globalement, l'épisode s'articule énormément autour de Bill, il n'y a pas grand-chose à dire vis-à-vis de Joël et Ellie, où on retrouve toute la beauté des décors américains, tous ces plans larges, tous ces environnements, ce côté hyper luxuriant que pouvait offrir The Last of Us, qui sont justement hyper importants, puisque ce sont ces moments, ce sont ces presque là aussi moments poétiques ou ces moments contemplatifs qui vont aider aux personnages de Joël et Ellie pour avoir de véritables dialogues, de véritables discussions. On va voir encore une fois les distinctions entre le rapport très rationnel que peut avoir Joël sur les choses, sur le vécu qu'il a pu avoir avant la pandémie et surtout après, et puis Ellie qui n'a jamais vécu ça de sa vie. Alors, on le voit aussi, notamment à la fin, quand elle va arriver dans le pick-up. Petite référence à The Last of Us 2, on dirait un vaisseau spatial, etc. Voilà, c'est vrai qu'elle est émerveillée dès qu'elle monte dans une voiture. Elle est émerveillée devant l'avion écrasé qu'il peut y avoir, alors que pour Joël, c'est tout à fait rationnel. Et puis, lui-même pense aux gens qui ont été victimes, justement, du crash. Ou elle va lui dire, mais tu te rends compte, t'as pu voler dans le ciel. Et j'ai trouvé cette phrase hyper touchante, hyper naïve, et encore une fois, on garde cette espèce d'innocence qui est hyper importante entre Joël et Ellie, puisque c'est justement la bascule entre la dureté de Joël et l'innocence d'Ellie qui fait qu'on va s'attacher aux deux personnages. Et ce genre de petite phrase, t'as pu voler dans le ciel, enfin elle a peut-être souvent imaginé le ciel, les étoiles, on sait qu'elle a été à l'école, qu'elle adore l'astronomie, etc. Enfin, c'est son rêve le plus ultime. Et oui, ce genre de phrase est pour moi hyper intéressante. On retrouve aussi dans les séquences entre Ellie et Joël pas mal de références à The Last of Us, notamment toute la séquence qu'il va y avoir où elle est face au jeu en borne d'arcade et où elle est en train de parler en disant « Ah oui, moi j'avais une amie qui était trop forte à ça, blablabla ». Enfin voilà, c'est filmé quasiment au mot près par rapport, encore une fois, à une séquence qu'on avait dans le jeu vidéo. D'ailleurs, petite anecdote, mais à la fin de l'épisode, quand on voit la fenêtre dans une espèce de zoom arrière avec justement le pick-up qui part et la fenêtre qui est ouverte, on peut penser, je pense, à deux choses. La fenêtre de l'écran d'accueil du menu de Last of Us, puisqu'il y a quelque chose qui s'en rapproche quand même énormément, et aussi
le départ d'Ellie dans The Last of Us 2, le dernier plan qu'on voit, où pareil, c'est un plan qui est en zoom arrière sur la guitare d'Ellie dans The Last of Us 2. Et pareil, elle prend la route, on la voit à travers la fenêtre. Là, c'est la même chose, Ellie et Joël qui prennent la route à travers une fenêtre, etc. Enfin, il y a beaucoup de références, et je trouve que c'est ça qui apporte justement cette trace d'innocence, d'humanité. Et c'est pour ça que ce côté contemplatif, de temps en temps, dans des épisodes, est pertinent. C'est parce qu'on en a besoin. Ce sera la même chose, notamment quand elle va découvrir un infecté. Alors là, au niveau des maquillages, etc., quand elle lui ouvre un peu le crâne, ça c'est pour le spectateur, on voit que ça pullule de champignons, enfin, il n'y a quasiment plus de sang, c'est vraiment glauque, c'est assez sordide. Mais on voit aussi que c'est quelqu'un d'intrépide et qui a besoin de découvrir, de savoir les choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais passer par une excellente transition sur une montagne de victimes, finalement, de décombres, où on va avoir une transition, moi, j'ai trouvé vraiment très intelligente, sur une robe verte, qui est la robe d'une des défuntes que l'on retrouve 20 ans plus tôt, en 2003, sur, justement, sa porteuse. Enfin, j'ai trouvé que la transition pour arriver jusqu'au personnage de Bill était intéressante. C'est là que le gros de l'épisode se fait, puisque trois quarts d'heure, une heure sont situés autour de Bill. J'ai été, mais atterré par le nombre de commentaires négatifs, rageux et pitoyables qu'on peut encore retrouver sur les réseaux, simplement parce qu'on met en avant une relation homosexuelle, ça, c'est aussi simple que ça, hein. Ou simplement parce que c'est peut-être un petit peu trop mis en avant au détriment de ce qui se passe dans le jeu, etc. Alors que, les gars, calmez-vous, en fait, cette relation-là, elle existe dès le jeu vidéo, c'est juste qu'elle n'était pas mise en scène, elle n'était pas montrée, elle était dit par les bribes de ce que disait Bill et par des lettres qu'on pouvait retrouver. Là, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus tendre, c'est pas du tout la même fin que dans les jeux vidéo, mais le constat est le même, c'était déjà cas dans le JV, c'est juste que là on a changé un petit peu la trame et la personnalité des protagonistes. Alors hormis pour, voilà, ça je sais vraiment un tout petit interlude que je fais pour tous les anti-wokistes, etc., les trucs, les machins, enfin les mecs qui vont voir ça et qui vont se dire c'est un Brokeback Mountain 2.0, alors ça n'a rien à voir. Si vous n'êtes pas foutu de voir le talent d'écriture et l'intérêt de cette écriture sous prétexte que vous voyez des complots wokistes partout, c'est consternant, mais c'est votre problème. C'est le même principe que tous les gens qui reviennent chialer tous les jours en disant que eh ben Bella Ramsey elle est pas jolie, ça correspond pas avec Ellie, c'est pour moi la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, il y a énormément d'intérêt à développer, puisque effectivement il y a énormément de séquences hyper pertinentes avec Bill qui du coup ont été totalement passées sous silence de par sa mort dans cet épisode. Je pense à la première apparition du Colosse dans un lycée ou dans un collège américain qui est absolument phénoménal et qui amène au Colosse de façon hyper pertinente. C'est vrai que là du coup on l'aura pas, on voit qu'avec le pick-up il part déjà en direction de chez Tommy très probablement, donc c'est vrai qu'il y a énormément de séquences avec Bill qui ont été totalement occulté, tout comme finalement de nombreuses péripéties et de nombreux décors qu'on va découvrir avec Bill au fur et à mesure, et qui, je le conçois et je suis d'accord, hein, peuvent être un peu frustrantes à ne pas voir du coup dans la série, mais si on nommait un petit peu, voilà, toute cette idéologie, et si même on va chercher un petit peu plus loin du style, maintenant, la série devra nous surprendre avec la première apparition du Colosse, puisqu'il faudra qu'elle soit hyper atypique et totalement déstructurée du jeu, parce qu'à partir du moment où le Colosse, on le voit avec Bill, la plupart des autres colosses qu'on verra dans le jeu n'auront pas une introduction aussi grandiose. Ce sera vraiment de l'ordre de l'ennemi à vaincre. Là, du coup, on sera dans quelque chose de complètement différent. Donc ça pourra déjà amener de la surprise pour la suite, c'est pas plus mal. Mais c'est surtout un épisode que j'ai trouvé tellement touchant dans la reconstruction du personnage, parce que là, c'est vraiment une reconstruction d'un beatnik un petit peu redneck, etc., odieux avec tout le monde, et puis quand même assez bourru, hein, le personnage de Bill dans le jeu. Là, on a quelqu'un qui va garder ce côté un petit peu country, très méfiant vis-à-vis des gens, qui n'aime pas les gens, etc. Mais surtout très tendre, très presque naïf, très poétique, c'est un pianiste, enfin voilà, c'est quelqu'un qui aime la musique, qui aime les belles choses, c'est un cuisinier. Donc ouais, très très loin du mécano à tout faire, sarcastique et désagréable, qui se parle tout seul et dont on sait que très peu de choses de ses dettes et de son amitié avec Joël dans le JV. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est peut-être que c'est très abrupt, la manière dont justement Frank et Bill vont finir par se mettre ensemble. Je trouve que ça arrive peut-être un petit peu trop tôt, mais d'un autre côté, mettons-nous à la place de Bill, c'est quelqu'un qui d'habitude n'aime pas les gens, qui on le sent est très introverti, très réservé. Il a connu personne depuis 3 ou 4 ans. Il le dit d'ailleurs qu'il a couché une fois avec une fille et c'est tout, donc il doit pas avoir beaucoup de rapports amoureux ou humains. Et là, voir Frank qui est extraverti, qui déborde de partout, mais dans le bon sens du terme, qui va le prendre sous son aile comme ça, je me suis dit au début, pour un survivaliste, il fait vraiment pas assez attention au personnage de Frank. Ça pourrait être une entourloupe, etc. Voilà, bon, je trouve que c'est amené peut-être de manière trop abrupte et trop brusque, la manière dont ils vont se mettre ensemble. Maintenant, d'un autre côté, il est tellement naïf, il est tellement tendre, il en a tellement pas l'habitude que peut-être, on le voit notamment dans le jeu de l'acteur qui est phénoménal, les deux comédiens sont exceptionnels, on le voit que il est totalement pris de court. Et peut-être que c'est voulu comme ça aussi. Donc finalement, c'est un peu le défaut d'une qualité. On peut trouver ça trop brusque, mais d'un autre côté, je pense qu'il est tellement pris de court et il est tellement pas dans la relation humaine en règle générale qu'il a peut-être pas l'opportunité justement de se poser des questions sur lui. Et c'est via justement plusieurs temporalités, puisqu'on va traverser d'année en année, etc., leur relation, qu'on va découvrir encore une fois beaucoup de choses. On va revoir Joël,
Il y a un plan que j'ai beaucoup aimé avec Joël et Tess. C'est là où Tess et Frank sont les deux personnages les plus humains des deux duos, si vous voulez, et puis ceux qui sont le plus portés vers l'espoir, qui ont peut-être le moins souffert, vont aller discuter, etc., vont partir ensemble. Ce qui laisse que Joël et Bill autour de la table, ça c'est pertinent, puisque Joël, on se doute qu'il a du mal à aimer, s'attacher, etc., avoir des amis, et pourtant derrière, il a quand même une certaine affection pour Tess, Bill ou même Frank, qui sont des personnages qu'il aime bien. J'aime bien l'idée qu'ils soient tous les deux autour de la table, puisque c'est les deux personnes les plus méfiantes qu'on garde finalement à la caméra. Quand ils discutent, d'ailleurs ils le disent à de nombreuses reprises, sous couvert de vouloir faire des échanges et se rendre des services mutuels, j'ai trouvé le clin d'œil plutôt bien vu. Et c'est un épisode, voilà, qui regorge de beauté. C'est un épisode ultra poétique, qui utilise tout ce côté contemplatif pour amener de la poésie, pour amener de la beauté, pour réécrire un personnage de manière hyper intéressante, où à la fin, je vous avoue que j'ai lâché ma larme, pas tant pour la scène, parce que c'est vrai que même vis-à-vis de la mort qui serait qu'un autre chemin, la mort qui finalement est belle, la mort qu'on choisit, il y a des phrases qui sont hyper intéressantes, c'est voilà, bon, j'ai eu des mauvaises journées, mais j'en ai eu tellement de plus belles avec toi que j'ai envie de partir comme je le veux après une journée fantastique. Bill qui termine par finalement se suicider lui aussi pour mourir d'amour avec l'homme qu'il aime. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont hyper belles. Et terminer la scène sur mon morceau, c'est ça qui m'a fait chialer limite, hein, mais terminer cette scène sur Vanishing Grace, je sais plus si c'est l'arrangement Innocence ou Childhood de Gustavo Santaolalla, mais terminer sur mon morceau préféré, Vanishing Grace, sur cette scène-là, c'est tellement bien vu, c'est tellement beau, c'est tellement poétique. Et c'est aussi là, au lieu de râler, au lieu de crier au wokisme, etc., machin, qu'il faut voir pourquoi, et je me suis renseigné un peu, pourquoi justement un tel changement drastique du personnage de Bill, beaucoup plus humain, beaucoup plus dans la nuance, beaucoup plus dans l'amour, etc., pourquoi un tel changement aussi narratif, puisque dans le jeu vidéo, Frank se barre, enfin, il dit justement qu'avec Bill, c'était un calvaire total, puis il finit par se pendre, on suppose qu'il a été mordu. C'est parce que Craig Mazin, en coalition évidemment avec Neil Druckmann, a déclaré que si Bill et Frank avaient une tournure totalement différente, c'était parce qu'il voulait que Bill devienne un idéal, un fer de lance, ou en tout cas une envie pour Joël de voir que l'espoir était toujours dans ce monde, de voir qu'il y avait toujours de la beauté dans ce monde, et que ce soit l'initiative de la mort de Bill qui fasse que justement Joël ait envie d'emmener Ellie et envie de prendre contact avec Ellie, on le voit puisqu'ils commencent un petit peu à rigoler à la fin de l'épisode ensemble. Donc il y avait cette idée non seulement d'apporter de l'espoir à Joël mais aussi de le mettre en garde hein, vis-à-vis de la mort de Tess dans l'épisode 2 puisqu'on voit qu'ils insistent beaucoup sur essayer de garder Tess en vie, etc. Enfin c'est aussi un avertissement pour Joël de dire fais attention aux personnes que tu protèges. Et il y avait cette autre idée qu'on discute déjà depuis le début de cette review de montrer que finalement, des gens peuvent gagner, même après la pandémie. Des gens peuvent trouver l'amour, des gens peuvent trouver de l'espoir, des gens peuvent trouver une raison de vivre. C'était quelque chose que Mazin et Druckmann voulaient absolument mettre en scène dans cet épisode pour justement faire comprendre aux spectateurs que c'était possible de vivre malgré tout. C'était possible d'avoir de l'espoir, de l'amour, et que même si c'est une fin triste, pour les créateurs, c'est une fin heureuse. Puisqu'ils meurent de la manière dont ils voulaient mourir, ils meurent ensemble, ils meurent amoureux. Et je trouve justement que c'est ça qui est génial dans cette série jusque maintenant, et dans les commentaires ci-dessous, bah, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, hein, mais je trouve que c'est là où Last of Us fait fort, c'est que chaque prise de risque et chaque initiative pour s'éloigner du jeu rend les personnages secondaires plus intéressants qu'ils ne l'étaient. C'était la même chose avec le final de Tess, où le final de Tess dans l'épisode 2 était vachement meilleur que celui qu'elle avait dans le jeu vidéo. Et si à chaque fois qu'ils prennent des distances, tout en étant ultra respectueux, ça donne des épisodes comme ça, avec une telle poésie, une telle profondeur, une musique, enfin vraiment la bande-son de cet épisode est absolument superbe. Gustavo Santaolalla revient de plus en plus avec ses thèmes phares et ça fait plaisir. Et quel acting des deux acteurs, enfin je veux dire, les deux comédiens sont fantastiques. Il y a des séquences où le comédien qui joue Bill est en larmes, etc. Enfin la scène justement où son compagnon lui dit « j'ai envie de mourir aujourd'hui, tu vas me faire un banquet, on va se faire un festin, on va se marier », enfin c'est lourd, tu vois, parce que tu sais que la fin est inéluctable, tu sais que c'est la dernière journée, et tu sais que tu peux pas aller à l'encontre de ce que veut la personne que t'aimes, mais c'est se dire on est à 24 heures de plus jamais se revoir, au moment où on ne sait pas que Bill va se suicider lui aussi. Enfin, il y a des choses, et encore, est-ce vraiment un suicide ou est-ce que c'est partir tout simplement de la manière dont tu veux partir? Ça, c'est encore une fois un débat intéressant. J'imagine même pas la difficulté en tant qu'acteur de devoir jouer ces émotions-là, et là, de la part de Frank ou Bill, il y a une réelle alchimie et c'est très fort. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre d'épisode, je les trouve effectivement très intéressants, je les trouve très riches, et je trouve qu'émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Il y a quelque chose qui se fait même poser des questions sur la vie, sur l'existence, sur l'amour, sur la mort, sur la beauté après la mort, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'idée d'avoir une beauté après la mort, une certaine même beauté dans la mort, dans la façon de mettre fin à ses jours, dans la maladie, etc., où tu restes au chevet de la personne que t'aimes, enfin, oui, moi, excusez-moi, mais quand c'est écrit comme ça, effectivement, bah pour moi, c'est pas du tout du wokisme ou du cahier des charges ou de ce que vous voulez, des quotas, cela, c'est simplement une histoire qui est bien écrite. Et bah, c'est pour ça que j'aime Last of Us, quoi, en fait.
jeune âge, on apprend la consommation. On renfloue la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...